Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une séance de renforcement musculaire, principalement du haut du corps, associé à un petit peu de cardio. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis, d'une chaise. Vous aurez également besoin d'une corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, c'est pas grave, vous verrez qu'on saura faire sans. Et d'un petit kit d'haltères. Alors les haltères, si vous n'en avez pas, prenez des bouteilles d'eau de 50 centilitres, 1 litre ou 1 litre et demi, ça marche aussi. Remplis bien évidemment les bouteilles. Allez, on est parti. On vient s'activer gentiment en trottinant sur place pendant une minute. Alors, on est bien gainé au niveau du rythme, donc on n'est pas tout mou, on ne se laisse pas aller. Non, on est bien tonique. On tire bien le nombril vers la colonne vertébrale déjà. On pense à bien souffler, bien respirer, hyper important quand vous faites de l'exercice physique, de toujours bien expirer en soufflant par la bouche. Allez, progressivement, on ramène de plus en plus les talons vers les fesses, on fléchit bien les jambes. Allez, une minute pour démarrer gentiment. On met le corps en mouvement progressivement, on réveille la machine, on continue à bien souffler. Si vous avez la chance de pouvoir faire vos séances en extérieur, c'est parfait, comme ça vous profitez du soleil en même temps. On joint l'utile à l'agréable. Je ne vais pas dire qu'on peut déjà peaufiner son bronzage, mais c'est sympa quand même. Allez, encore 10 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on ne s'arrête pas. On prend sa corde à sauter. Et on est parti cette fois pour 2 minutes. Toujours en respirant bien. On reste toujours aussi tonique au niveau des abdos. Et de la sangle abdominale, tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale. On continue à respirer surtout. Allez, là ici j'ai les jambes jointes, mais vous pouvez varier la manière de sauter, bien évidemment. En alternant une jambe et puis l'autre. On essaie de tenir le rythme. Allez, si vous n'avez pas de corps, pas de soucis, ça marche aussi sans. On peut venir aussi avec les jambes un peu plus tendues. Vous pouvez même vous déplacer, hein, si vous voulez. Moi, je reste dans le champ de la caméra, mais tant que vous sautez, ça me va. Allez, on respire bien. Allez, corde à sauter, retour en enfance. Vous pouvez savoir que si vous êtes au soleil et que comme moi vous avez mis un petit pull, vous allez vite le retirer à mon avis parce que ça commence à chauffer. On continue à sauter même si je regarde la montre. Allez, on s'accroche et on tient. Allez, toujours en respirant bien. On en prend conscience aussi, mais 2 minutes c'est très court et ça peut être parfois un petit peu plus long aussi. Allez, courage, on s'accroche. Allez, on continue à sauter toujours. Allez, reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, relâchez. On peut commencer nos exercices. Vous pouvez prendre votre tapis. Donc moi, comme je l'avais annoncé, je vais retirer une couche. Et on va commencer par des pompages sur les genoux. Okay. Donc
positionner allongé au sol, les jambes fléchies pour n'avoir que les genoux en contact avec le sol. Vos mains sont de part et d'autre bien à plat de votre poitrine. Vous restez sur les genoux et on vient souffler, monter. Gardez le dos bien droit. Allez, on en fait 15. 2. 3. Gardez bien les abdos serrés, les fessiers contractés. Vous devez monter et descendre en un seul bloc. On touche bien le sol à chaque fois qu'on redescend. 7. 8. 9, 10, allez, il reste 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait, relâchez. Exercice suivant, vous prenez vos haltères. On est allongé sur le dos, les jambes sont fléchies, vous avez une haltère dans chaque main. Vos pieds sont écartés, largeur des hanches. Les bras sont bien ouverts. Et en soufflant bien, je viens refermer et monter. Inspirez à la descente. Et 1, 2, contrôlez bien la descente. 3, soufflez. 4, 5, 6. Déposez les haltères au sol, basculez sur le côté et là vous poussez sur le bras pour vous redresser sans vous faire mal au dos. Très bien, on vient prendre une haltère. Parti. Vous pouvez venir vous replacer debout. Alors soit vous le faites avec une, soit vous le faites avec les deux, une dans chaque main, c'est comme vous voulez. On vient placer les haltères donc ici derrière le dos. Les bras sont bien fléchis, les coudes sont près des oreilles et en soufflant, je viens remonter les haltères au-dessus de la tête. Tenez-les bien, lâchez pas les haltères sur votre tête. Les bras doivent bien rester tout près des oreilles. Et on est parti, encore. Allez, on en fait 20. 3, 4, 5, 6. 8, 9 et 10. Encore on tient 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez une haltère dans chaque main. Parfait. Les bras sont bien le long du corps. Prenez l'haltère, ce qu'on appelle en prise marteau. Donc, votre pouce est au-dessus. Les doigts sont en dessous avec vos ongles orientés vers vos cuisses. Et on va venir maintenant travailler le biceps, donc le muscle avant du bras. En fléchissant le coude et en ramenant les mains, à hauteur des épaules. Les coudes restent bien le long du corps. Vous effectuez en même temps un quart de tour vers l'extérieur. Et donc vos ongles et vos doigts terminent vers vos épaules. Même chose, on en fait 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, encore on tient, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
tourner le long du corps. Alors cette fois-ci, vous tournez vos ongles vers l'arrière, donc un petit peu comme si vous teniez une poignée de moto ou de vélo. On vient tendre ici devant, revient, et on vient tendre sur le côté. Et on est parti pour 20. On est toujours bien tonique au niveau de la sangle abdominale. On pense toujours à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale. Comme ça, on travaille un petit peu les abdos en même temps. Ça ne fait jamais de mal. Allez, encore. On tient. On souffle bien. On ne s'arrête pas. 8. 9. 10. Et encore 10. Et là, on vient renforcer les épaules. Donc, on travaille sur le faisceau antérieur quand les bras partent vers l'avant. Et on travaille sur le faisceau supérieur quand les bras s'écartent latéralement. On continue encore 6. 5. 4. 3. 2. Et 1, parfait, le dernier est impeccable. Vous pouvez maintenant prendre votre chaise. Chaise sur laquelle vous allez venir poser le genou opposé au bras dans lequel vous tenez votre haltère. Pour venir prendre appui, vous appuyez sur le manche de la chaise. On laisse aller le tronc vers l'avant en tenant bien le dos bien droit. Donc on ne vient pas arrondir le dos. On ne vient pas creuser dans le dos non plus. Non, on vient passer le dos bien droit. Le bras qui tient l'haltère pend vers le sol. Et en soufflant, on vient remonter en tirant bien le coude vers le ciel. Inspire, je relâche. Étirez. Alors on appelle ça du tirage bûcheron. On pourrait l'appeler tronçonneuse aussi ou tondeuse si vous voulez. C'est un petit peu le geste qu'on fait quand on veut démarrer un objet du genre. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. Gardez le dos droit. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Changez de bras. Je vais juste changer l'orientation de ma chaise pour ne pas trop vous tourner le dos. Parfait. Même chose. Le dos bien droit. On prend appui et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, relâchez. Voilà, première série terminée. Alors, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va bien trottiner sur place. Une minute, on va réactiver un petit peu le cardio. Après ça, vous en doutez, on va réenchaîner avec 2 minutes de corde à sauter. Et puis, on reprendra notre série. Allez, on reste bien tonique. Au niveau de la sangle abdominale, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Mon voisin derrière qui est occupé à faire je sais pas quoi avec une machine, j'espère que vous l'entendez pas trop. Allez, on souffle bien, on respire. Soufflez bien, expirez tout l'air par la bouche. Quand vous faites de l'exercice physique, vous devez toujours expirer plus que vous n'inspirez. C'est hyper important. Allez, ça diminue. On continue à bien souffler. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On commence directement à sauter. Hop, on prend sa corde. Je regarde le temps. Allez, c'est parti. 2 minutes.
Allez, on est bien tonique au niveau du tronc. Tirez bien le nombril vers la colonne vertébrale toujours. Hop là, si on rate un petit saut, c'est pas grave, on enchaîne. Allez, encore on tient, on s'accroche. Allez, continue à bien souffler. N'hésitez pas à faire ces petites vidéos en famille, à vous lancer des petits challenges aussi, pourquoi pas. Allez, on relâche pas, c'est bien, on s'accroche. On continue à bien tourner, à bien sauter, pardon. Je regarde le timing. Allez, encore 30 secondes. Décidément, voilà. Allez, on s'accroche, on tient, il reste rien du tout. Allez, 10 secondes, 10 secondes, on accélère. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, parfait. Allez, on reprend notre série. On était donc en pompage. On démarre bien allongé au sol, fléchissez les jambes pour bien être en appui sur les genoux. Les mains de part et d'autre de la poitrine bien à plat, soufflez, montez. Gardez les abdos serrés, les fessiers contractés, montez en un bloc. Surtout ne tirez pas les fesses vers l'arrière quand vous arrivez en haut. Allez, 10, encore 5, 4, 3, 2 et 1. On redescend pour la forme, parfait, basculez sur le dos. Et on reprend une haltère dans chaque main. Vous êtes allongé sur le dos, les jambes fléchies, pieds écartés, largeur des hanches. Les bras bien en ouverture. Et soufflez, on vient en haut. Et 1. Allez, là on renforce le faisceau antérieur de l'épaule et les pectoraux. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Basculez sur le côté, poussez sur le bras pour vous redresser. Sans traumatisme au niveau du dos, on se remet debout. Les haltères ici derrière, les coudes bien près des oreilles. Et on est parti pour les triceps. Alors évitez de creuser dans le dos. Donc on vient placer légèrement le bassin en rétroversion. Pour cela, je viens basculer le pubis vers l'avant. Donc, quand je bascule mon bassin en rétroversion, je pousse le pubis vers l'avant, ce qui arrondit le bas du dos, ça contracte les fessiers. Mais au niveau des lombaires et du bas du dos, là, on est bien protégé. On est parti. 1, 2. Allez, passez bien par la flexion et par l'extension totale. Comme ça, on va bien chercher l'amplitude. On profite bien du mouvement. 6. Gardez bien
chose, hein. On passe bien par l'extension et par la flexion totale, on ne triche pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, les bras le long du corps, les haltères en prise moto, comme je les appelle, et on vient devant. Et 1, écarte, continue. Et 2. Allez, toujours sans creuser dans le dos. Pensez à bien basculer le bassin en rétroversion si vous avez tendance à creuser dans le dos. On est bien tonique au niveau des abdos. On tire bien le nombril vers la colonne vertébrale. 9. 10. Allez, encore, on est à la moitié. Et encore 9. Côté. 8. Côté. On continue à bien respirer, à bien souffler. Allez, il en reste 5. Ça commence à chauffer au niveau des épaules, c'est normal. 4. 3. 2. Et 1. Jusqu'au bout. Parfait. Alors, pour l'autre exercice qu'on faisait sur la chaise, vous avez éventuellement une deuxième option. Vous pouvez venir vous replacer pour travailler les deux bras en même temps, avec les bras, les jambes légèrement fléchies, en tirant les fesses vers l'arrière, en gardant toujours le dos bien droit, et les bras viennent pendre ici devant. Alors, ok, c'est pas hyper esthétique, mais c'est efficace, et on vient tirer les deux bras en même temps, en gardant bien les coudes vers le ciel. Soufflez, tire, inspirez, relâche. 1, 2, 3, 4, 5, gardez les jambes fléchies. 6, dos droit. 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. On redépose les haltères. On reprend notre cardio. Allez, une minute, c'est parti. Bien tonique au niveau des abdos. On continue à bien tirer le nombril vers la colonne vertébrale. On ramène les talons aux fesses. On continue à bien souffler à l'expiration. Allez, on est à la moitié. Allez, on s'accroche, on tient. Là, ça va, hein, c'est pas trop compliqué. Allez, reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lâche pas, on commence directement à sauter si on n'a pas de corde. Hop, si on en a une, on la prend et on est parti. Allez, pensez à rester tonique, hein. On ne laisse pas aller le tronc. On se tire bien vers le haut, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Allez, on alterne le déplacement. Allez, continue à bien souffler, surtout on respire. Surtout pas d'apnée. Décidément. Allez, on continue à bien souffler. Allez, on vient de passer la minute.
s'accroche, on souffle. Allez, c'est très bien, parfait. Je ne vous vois pas, mais je vous imagine. Allez, on a le cardio qui monte, c'est normal, on continue, on est là pour ça. On n'oublie pas de bien expirer. Allez, ça diminue. Il reste 10, on accélère, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, parfait. On vient se replacer pour la dernière série. Allez, les pompages. On est allongé au sol. Jambes fléchies. Les mains bien à plat de part et d'autre. Et c'est parti. Serrez les abdos, serrez les fessiers. Restez bien droit comme une planche. On vient replacer le tronc en contact au sol à chaque fois. Soufflez. Allez, 8. 9, 10, ça diminue, tirez pas les fesses vers l'arrière, on reste bien droit, encore 4, 3, 2, et 1, parfait, on redescend pour la forme, allongé au sol, une haltère dans chaque main, jambes fléchies, écartez largeur des hanches, les pieds bien à plat au sol, soufflez bien en montant les bras, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne encore 10, 9, 8, contrôlez la descente, 7. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Les bras au sol, basculez sur le côté, poussez sur les bras, redressez. On vient se replacer debout. Je prends mon tapis avec pour pas qu'il s'envole. Les bras ici derrière, les coudes aux oreilles. Bassin en rétroversion, donc on pousse le pubis vers l'avant en serrant les fessiers. Et on vient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore, avec cet exercice, on travaille les triceps et on vient renforcer ce que j'appelle les coucou mamie. Donc c'est la peau qu'on a parfois en dessous des bras, et bien on vient renforcer tout ça. Allez, encore 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Parfait. Donc, on vient renforcer en image. Hop, les petits muscles ici en dessous. Allez, les haltères en prise marteau. Gardez bien le coude au corps et on vient fléchir avec le quart de tour vers l'extérieur. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait, prise moto et on vient directement devant. Côté, 2, toujours avec le bassin en rétroversion pour éviter de creuser dans le dos, on reste tonique et on n'oublie pas de respirer, soufflez bien sur chaque mouvement, 7, je crois que j'en ai rajouté un là, 8, 9, 10, encore, on lâche pas, c'est la moitié. 10,
neuf, huit, sept, six, cinq, allez, ça chauffe, c'est normal. Pensez aux belles épaules que vous allez avoir après. Et le dernier, jusqu'au bout. Très bien. Alors, on vient fléchir les jambes. Buste penché vers l'avant, gardant le dos bien droit. Les bras pendent ici devant. Et on vient fléchir les coudes, toujours vers le ciel. Et 1, 2, 3, 4. Lâcher. Parfait. Eh bien, alors, libre à vous, bien évidemment, de refaire un petit peu de cardio et de re-enchaîner encore une fois une série, ou même deux fois. Alors, trois fois, c'est vraiment le minimum. Donc, faites bien cette série trois fois. Une fois qu'elle est faite, ça, c'est parfait. On va venir s'étirer un petit peu au niveau des épaules. Alors, vos deux bras tirés vers l'arrière. Les mains viennent se rejoindre ici dans le dos. Et on vient sortir la poitrine devant. Pour chaque étirement que vous faites, vous devez tenir au minimum 20 secondes pour qu'il soit efficace. Allez, on continue à bien souffler. On tient encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4,